Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous disons merci d'être ici ce soir à ce grand rendez-vous. Rendez-vous organisé par HEMA, Haitian American Medical Association, pour aider les Haïtiens de la diaspora à vivre, et plus particulièrement ceux qui se trouvent aux États-Unis, à vivre mieux. Ce soir, nous avons une pléiade de hautes personnalités dans le domaine de la santé mentale qui sont autour de la table pour mettre à votre disposition leurs connaissances, leur savoir, pour vous aider à avoir une vie beaucoup plus agréable dans le domaine de la santé physique et mentale. Comme vous le savez déjà, nous le disons tantôt, le peuple ne doit pas mourir par faute de connaissances. À ces mots, nous voulons accueillir la présence du docteur Abed, Abed Jean-Alexandre. Oui, c'est Jean-Abed Alexandre. Et moi, c'est un docteur en psychologie clinique et pratiqué psychologie dans l'hôpital, dans la clinique et aussi dans les écoles. Et c'est aussi un pasteur évangélique, pasteur titulaire de l'église baptiste du Tabernacle. C'est un plaisir, non, avec vous à soir. On est capable de partager avec mes collègues quelques éléments de connaissance, d'information qui est capable d'aider nous vivre mieux, comme Daniel Sodili. Merci, docteur Alexandre, et nous disons merci parce que vous honorez nous par présence ou à Soya et nous connaissons que nous pourrons apprendre en pile de vous-même. Nous voulons songer et docteur Alexandre qui était vraiment marqué et séance année dernière là d'une pierre blanche parce que par son élégance et son éloquence et nous espérons joindre en pile encore à Soya. Deuxième personnage n'a introduit à Soya, c'est en fait Damani, qui est-ce qui pas songé? Qui est-ce qui pas songé? Docteur Marlène César pour une belle prestation que le bal l'année dernière. Et Assoya Ali encore là avec nous. Bonsoir, docteur Marlène. Bonsoir, c'est avec plaisir que je salue toute la population de Boston, surtout la population haïtienne. Et je suis ravie d'être encore présent dans ce panel pour présenter ce soir. Et moi, c'est Marlène César, et moi, c'est un docteur qui préparait à l'étranger. Mais cependant, moi, pratiqué aux États-Unis comme nurse practitioner pendant plus d'une vingtaine d'années. Kounye, moi, est retiré, comme on dit, moi, retired, et je demeure à Pennsylvanie. Et mais le domaine que je travaille, pendant que je travaille, c'est surtout en médecine familiale et santé mentale. Et alors, depuis 2 ans, moins retired et actuellement je vous parle de la Pennsylvanie et c'est avec plaisir que je rejoins ce panel de nouveau ce soir. Merci Dr. Marlène. En fait, nous voulons féliciter et technologie parce que grâce à la technologie, on peut faire des miracles. Actuellement, nous gagnons Dr. Marlène qui est juste Pennsylvania autour de table là. Et nous gagnons Dr. Alexandre qui l'ambassade chaussette autour de table là. Et aussi, nous avons 2 docteurs, Dr. Dayona Augustin et Josie Augustin, yo de Florida et yo autour de table là à Soya. Bonsoir, Dr. Augustin. Il paraît que le son. Voilà. All right, excusez-nous. Non, moi, c'est Dr. Dayona. Moi, vraiment content de ce qui est capable là avec nous à Soya pour présentation. Ça, je voulais dire nous toutes merci de ce qui est là avec nous et nous souhaiter que nous ayons une bonne présentation à Soya. Merci, Dr. Dayona et Josie. Nous souhaitons que la population qui a écouté nous soit édifiée par toute connaissance. Tout docteur Sayo pral étaler, pral exposer à la communauté haïtienne de la diaspora. Et même si vous êtes en Haïti, nous pensons que vous avez besoin de quelques informations nécessaires pour vous-même.
N'a pas entré rapidement dans la première question, parce que nous connaissons le plus souvent l'intervenant, ça y est très abondant. Donc, nous avons essayé de gérer l'heure rapide. Moi, j'ai aimé adresser la première question à Dr. Abed. Nous connaissons tous l'autre intervenant qui est capable d'intervenir de temps à autre dans la question 1, parce que c'est ma Dr. Abed. Santé mentale à COVID-19. Qui sa phrase ça veut dire pour vous, Dr. Abed, et pour qui ça? Bon, c'est une question qui est très riche. Et tout d'abord, il vaut la peine pour nous définir santé mentale d'abord, en général, et puis pour nous capables de voir rapport gagner avec COVID-19. Eh bien, santé mentale, on est capable de définir comme un équilibre dans la façon nous fonctionner, dans la façon nous penser, dans la façon nous réfléchir, dans la façon nous agir, dans la façon nous comporter, nous. Besoin d'un équilibre dans la dimension si là. Et Freud, le père de la psychologie moderne, définit santé mentale comme l'habileté de travailler et d'aimer. Alors, par travailler, il a parlé de fonctionnement en général. Il faut qu'à réfléchir, il faut qu'à des capacités mentales intactes ou capable d'être meilleur de vous-même. Et par aimer, la parler de relations avec l'autre monde, mais qui commençait tout d'abord, et gens ou même ou concevoir, peut-être pas où, et comment ou gain relation avec l'autre monde, monde qui proche ou, dans la famille ou, monde qui est à côté ou qui collègue. Donc, si santé mentale, c'est un équilibre, c'est une harmonie entre ces dimensions. Donc, tout ça qui a tendance à déséquilibrer le fonctionnement maintenant, c'est l'icounia qui vient. Ça nous a relé un trouble émotionnel, un problème mental, un problème qui fait maintenant pas capable de fonctionner, genre l'état doit fonctionner. Ou bien il y a une détresse personnelle, il y a une douleur et dans la façon de réfléchir, ou bien il y a une douleur dans le cœur. Et les sentir tristes, les sentir déprimés, ou bien les gain inquiétude, et les traumatisés, gain tout genre de bagages. C'est là. Donc, COVID-19 vini naturellement, l'hypothèse yon déséquilibre. Ça qui fait ça, c'est parce que c'est pas grand monde qui était attendu, et même l'autre attendu, l'el vini l'affecter la vie dans tout niveau. Et c'est le monde entier qui a subi et qui vini avec des changements extraordinaire qui force nous pour nous adapter avec la vie, pour nous adapter avec famille, pour nous adapter avec gens nous te concevoir tête nous, et le causer en pile détresse par rapport à inquiétude que le causer pour monde qui fait expérience li ou bien ça qui a passé autour de nous, et le fait que même les experts encore à continuer étudier li pas gagner une réponse définitive chaque fois autant de pral gagner une amélioration et puis toi fin élevé encore bagaille était commencé ouvrir yo vin fermer encore ça vin créer toutes sortes d'inquiétudes et toutes sortes de déséquilibres au niveau mental et c'est ça qui fait gagner en pile recherche qui en cours gagner ça qui déjà fait gagner en pile monde qui gagne trouble d'anxiété gagner en pile monde qui rivait tellement déprimé. Il y a des pensées de suicide, il y a des gens même qui rivaient commettre suicide, il y a des gens qui même allaient retourner dans abus de stupéfiants, de drogue et alcool pour être capable d'apaiser douleur yo. Et donc COVID-19 li affecté santé mentale sans compter recherche qu'a fait pour que le monde qui était déjà testé positif ou bien qui survivre virus là, qui l'autre dégât au niveau neurologique dans le cerveau li, ou bien dans le fonctionnement, qui l'autre dégât li capable même de causer. Et ça, yo, c'est encore et des recherches qui sont en cours. Mais ça nous connaît, c'est que COVID-19 l'affecte la vie en général à tous les niveaux. Et c'est ça que fait nous bien contents d'avoir un panel comme ça pour nous parler de ça et ouais, comment nous capables, non seulement sensibles à impact si la yo et comment nous capables répondre à yo même, comment nous capables aider frères, sœurs, nous yo haïtiens, cap vivre
situation si là, tout genre de changement et stress que ça a causé et comment nous capables aider yo, parce que c'est un bagage qui concerne nous toutes, qu'aux médecins, qu'aux psychologues, qu'aux parents, qu'aux pasteurs, que quel que soit mon nom, tout le monde affecté d'une façon ou d'une autre. Donc, ce déséquilibre que le créait mandait que pour nous répondre. Et c'est ça que fait, il faut nous chercher ressources qui sont capables d'aider nous répondre. Ressources, ça, ils sont capables personnelles, ils sont capables religieuses, ils sont capables professionnelles, ils ont différentes ressources. Donc, nous, avec collègue Mayo Assoya, nous va au moins aider à comprendre ça et situer COVID là dans contexte santé mentale là et comment nous capables d'aider frère Senoyo cap suivre émission si là. Merci docteur Abel. Nous connais est-ce que nous gagnons l'autre intervenant? Yeah. Nous t'as ajouté à présentation éloquente ça que docteur Alexandre Sout fait sous COVID-19 et t'as enchaîné pour me dire que à cause de déséquilibre que COVID-19 a causé dans la vie de plusieurs et même dans la vie des enfants ou dans la vie des familles et que ce soit pas un moment de perte parce que gain de perte qui fait pendant temps COVID là gain monde qui perd du travail au niveau financier c'est une perte gain monde qui perd du en sens de d'action d'action sociale yo parce que yo pas en groupe encore et gen de moun ki te kon fonctionne très bien en groupe et le fait que kounyan yo vin nan isolation et bien ça vin créer d'autres problèmes de d'isolation que moun nan pas tant accepté ou bien pas kapran et gen pile problème de griffe tout l'aime dit griffe c'est problème de deuil parce que gen pile moun ki gen des pertes exceptionnelles des pertes de membres de la famille que ce soit le père la mère ou bien des enfants ou bien les grands-parents il y a beaucoup de pertes dans cette population là surtout les grands-parents, eh bien, ça a affecté moun yo. Ça nous a dit nous-mêmes en tant que et moun qui travaille dans la santé mentale, c'est qu'il faut développer des stratégies qui pour permettre que moun a établi ça y aurait les équilibre dans vie mentale ou bien dans santé mentale et pour ça nous connaît que gagne des en pile stratégie de d'équilibre qu'on a utilisé que normalement en anglais il y aurait les coping strategies et stratégie ça yo moun nan gagne doit développer au pour compte li ou bien li ka développer yo avec aide de yon et professionnel en de santé mentale que ce soit yon psychologue ou bien un thérapeute et nous dit que gagne deux grands en système de stratégie qu'on a utilisé et gagne c'est surtout li focus sur émotion et l'autre là li focus sur et résoudre les problèmes et deux genres de mécanismes de défense ça yo m'pa blérer les mécanismes de défense tant que coping de défense parce que coping de défense beaucoup plus adaptive que défense mécanisme parce que défense mécanisme yo mal adaptif alors pour coping mécanisme ça yo deux grands et procéder ça yo qui c'est émotion et puis avec un problème solution de problème émotion ça veut dire ou prendre contrôle l'émotion et puis ou connait comment pour gérer et ça COVID-19 créer la caillou si sont en détresse mentale ou bien si c'est en angoisse ou bien si c'est dépression ou bien si c'est et anxiété et l'autre là solution problème solution c'est que ou chercher prendre contact avec un et professionnel de la santé pour aider ou joindre une série de avenues qui permettre ou passer à travers les conséquences de COVID-19. Merci. Je connais si le docteur Augustin a pas ajouté dans le sujet ça. Je pense que yo parlé sous en pile déjà, yo bay en pile information pas tellement gen bagay m'a ajouté mais on ka comprendre que en pile monde capable pas qu'on habitué avec day comme ça côté là ou virer ou tourner yon l'autre monde mouri yon l'autre monde mouri yon l'autre monde mouri yon l'autre monde mouri ça c'est un bagay que moi en pile monde a plein de li côté yo di pas jamais en enterrement chaque samedi comme ça ou bien gen des monde yo pas gen chance pour yo gen enterrement c'est sous Zoom y a gade you know tout service yo et puis ça fait yo senti yo pas capable la avec famille yo pas capable bay support yo ou bien yo pas capable participer gens yo ta vle participer so c'est
c'est un peur pour tout le monde, dans une façon ou bien l'autre, mais je sens qu'un pile monde pas nécessairement prêt, nous pas jamais prêt pour la mort, mais ça li vini pi mal pour nous parce que c'est yon après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et c'est ça qui fait pi difficile. La remercie, en fait, question, c'est nous pensons que et intervenant yo vraiment exploité question hein, dans toute dimension ni, et que nous espérons que spectateurs yo cap gade nous partout dans le monde yo essayer comprendre ça. Parce que COVID là, li pas un problème qui seulement chita en États-Unis, mais li c'est un problème mondial et li gen une signification vraiment pour chaque monde yo et nous presque genre tout nous ouais tout intervenir comprendre presque chaque qui presque tout bagay yo gon point commun c'est deuil, c'est le désarroi, c'est la tristesse qui envahit monde. N'a pas entré deuxième question pour Asweya. Nous connaissons que nous avons vivre, nous avons fonctionné, nous avons adressé intervention sous communauté haïtienne. Non? Nous connaissons à l'intérieur de la communauté haïtienne, nous avons un pile de choses qui sont tabous, nous avons un pile de choses qui comprennent ni mal ou bien qui jugent le mal, surtout dans le domaine de la santé mentale. Nous avons demandé, docteur Dayona, dans le moment que nous vivons, nous avons besoin de parler de santé mentale. Quelles recommandations vous avez, communauté haïtienne, non, qui a confronté problème pour parler de santé mentale? Pourquoi ça, c'est une très bonne question? Parce que je connais dans la culture, pas nous, il y a tout le monde qui a autant de phrases santé mentale, ils pensent des gens qui sont fous ou bien des gens qui n'ont pas bien en tête. Mais santé mentale, c'est un bagage que nous tous, faut que nous gagnions. So, yon jan que nous capables de faire pour nous capables parler plus de bagage sa yo, c'est pour nous en parler avec leader dans la communauté haïtienne yo. So, pour exemple, communauté haïtienne yo vraiment religieux en pile fois, so nous capables d'inclure pasteur yo, prêtre yo, moun ki yo gen confiance nan yo, pour yo capable normaliser parler de santé mentale et effet négatif yo pour yo capable connaître que pa gen aucun bagage qui mal avec yo si yo gen inquiétude ou bien si yo fait dépression ou bien si yo senti en pile et stress et puis on l'autre bagage tout que nous capable faire là nous gen un problème ça yo pa ken bel pou tèt nou yon bagage que nous conjoint en pile dans culture nou c'est que nous kembe secret tant qu'on gen des bagages nous pas veulent parler de yo parce que nous pas veulent pour monde penser que nous pas gen force ou bien nous faible so nous pas parler des bagages ça yo nous just kembe yo là peut-être nous et puis n'a souffrir en silence so you know bagage que nous capable faire c'est non seulement parler là nous gen problème avec inquiétude dépression ou bien n'importe l'autre effet négatif mais pour nous encourager non seulement frère nous sœur nous mari nous madame nous petite nous pour être capable de connaître que santé mentale là c'est un bagage qui vraiment important et puis si vous sentez que gagne un bagage qui pas normal en dedans c'est pour parler de lui parce que bagage ou pas parler de lui il pas joindre remède so faut que nous parler plus sur bagage ça yo pour moun yo capable réaliser que il normal. Et puis on bagay tant que COVID-19 ça li fait c'est que li fait nous songer qui importance santé mentale nous gagne parce que gagne en pile dans nous prend soin santé physique nous prend soin santé finance santé spirituelle mais nous qu'on oublie santé mentale là so li vraiment important pour nous gagne discussion ça yo pour monde capable reconnaître que c'est pas seulement yo même qui a souffri. C'est nous tous qui avons souffert et puis là nous parler avec une autre, nous qui partager solution ou bien coping mechanisms, genre docteur Malène te dit, hein, pour nous capables rectifier le problème là. D'accord, merci.
yon lot bagay mta ajoute, se le yon moun deside pou li pale sou bagay ke lap experience, like, experience li genyen, pou nou pa fè sa kom yon jujman kont moun nan. Paske gen de fwa nou kont wè, mèm nan rechèche yo di sa kote, moun yo pe pale paske yo panse sa ap yon jujman pou yo. So, pandan na encourage tout moun pou yo pale, le yo gen yon problem, si yo santi yo gen yon depresyon, ou bien yo gen enkyetid, ou bien yo gen problem, pou nou mèm nan kominote a tout pa fè yo santi ke, you know, yo feb, paske yo mande ed, ou bien nou fè yo santi tankou gen yon jujman ki pase sou yo, tankou yo se moun fou, ou bien, ou pa gen la fwa, sa se yon bagay an pil moun kon di paske ou dwe priye selman, si ou pa priye, you know, son problem. So, pendant nou gen, you know, moun ki vle pale, gen de fwa yo pa pale paske yo pe, epi yo pa vle yon moun, fait un jugement contre yo. So, m'ta encourager moun nan communauté a pendant yon moun décide de parler si yon bagay pou nou ba yo support et encouragement au lieu pour nous passer un jugement sou yo. Pour ça. Gen yon lot aspect encore que m'ta vle ajouter surtout nan communauté haïtienne nan, c'est l'aspect immigration. C'est parce que gon seri de moun ki toujours peur gen dossier. Et si moun nan pa gen papier immigration, très souvent li di oh moi même papa m'pa vle gen dossier non, m'pa vle gen dossier maladie ni dossier moun fou, ta le c'est l'immigration konnen pour voye m tourne la kay mwen tankou moun fou parce que yo pa vle prendre en charge. C'est pour nous faire moun yo konnen que nous même qui est professionnel dans le domaine de la santé mentale, un dossier de un moun qui vient parler avec un psychiatre ou bien un psychologue ou bien un médecin de famille de problème mental, eh bien ce sont des dossiers qui étaient purement confidentiel. C'est des dossiers qui tellement confidentiels. En fait, santé mentale, c'est une côté que ou pas gain droit du tout parler de conversation. Son conversation qui vraiment confessionnelle, m'ta ka di, ou pas capable de parler de qui ça moun te parlé avec en tant qu'un professionnel. So, nous voulons assurer communauté hein, que lors d'un problème de dépression ou parler avec un professionnel de la santé mentale, eh bien, son secret, il pas bral aucun côté. Il pas bral aucun côté, pas gain aucun monde qui ka vin mande dossier ça. Pas gen aucun monde qui gen droit mande dossier ça à moins que ou même ou bay droit pour mande. Ce sont dossiers qui vraiment protégés non seulement par HIPAA dans pays ici qui c'est gros organisme qui et qui garde bagaille confidentiel, but li protégé tout même par la santé mentale qui pas bay aucun monde ni psychologue ni psychiatre ni un médecin de famille qui ou un patient avec un problème et mental pour parler de moun. So moun vle moun yo rassurer que ces dossiers yo pas bral sorti dehors si moun n'a pas gen papier immigration pas ka vin mande docteur en dossier. C'est très important pour faire moun yo konnen ça parce que de temps en temps nous capable descendre tabou hein, et nous ka démystifier problème en santé mentale tant qu'on nous dit c'est l'enap fait santé aux États-Unis son aspect holistique ça veut dire nous garder toute bagaille nan moun nan, nous garder santé mentale li, santé spirituelle li, santé physique li, santé financière li. Et lors on santé mentale li pas agir seulement sous famille on conséquence yo pas tomber seulement sous famille on li tomber sous communauté ou sous plus sous serré et problème nan et plus problème nan vi nou pi gros problème sou gòt ti moun la kay ou ki gen problème de comportement parler de ça pou se pa à la dernière minute ti moun nan paraît avec un fusil tu et tout moun nan kay lan et pou di mte wè ça mte wè ti moun nan te gen comportement ça mais nou pa parler de ça s'il vous plaît nou ta mande moun nan communauté yo jete tabou ça yo jete tabou que ou genyen yo pa vle parler de problème de santé mentale c'est tant kou problème de tension problème de diabète et même gens ou al ka docteur konnen yo pa by dossier diabète ou avec dossier tension ou ces mêmes gens santé mentale en tout nous pas capable by dossier ou dehors. So s'il vous plaît faites confiance et un l'autre dernier petit bagage que m'ajouter c'est support en identifier qui monde qui support psychologique. Identifier monde ça. Support psychologique quand il pas un monde dans famille mais di a tout, li gen droit un voisin, li gen droit un zanmou, li gen droit un moun nan travay. Et support et psychologique ou pas nécessairement besoin dans même ville kotoye. Ou gen droit gen un moun ko capable avec, ou ka di n'importe qui bagay avec qui capable et atténuer conséquences et déséquilibre mental ko ka gen, moun nan gen pas même côté avant, d'autre ou ka rele nan téléphone ou ka parler. Identifier your support system. C'est très 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 important. Merci Merci. Bah, qu'on est simple qu'à ajouter quelque chose. Yeah. Alors, tout ça dit là très très bien. Bah, je vais le répéter parce que
yo au point. Et éducation, c'est clair. Mwen nou tout mentionné li. Besoin d'un pile éducation qui fait au niveau des leaders. Et leaders, yo d'abord, besoin d'éduquer tes yo d'abord. Et même problème que nous te joignons, c'est qu'en pile fois, yo formé mon yo, yo pas formé yo sous santé mentale. Et donc, en pile confrères nous yo, pasteurs, collègues, qui pas recevoir formation si là. Pas gain trop longtemps, peut-être 30 ans de cela, que nous capables de dire que des séminaires commençaient inclus et cours de counseling sous santé mentale dans le séminaire. C'est-à-dire qu'il y a un pile leader qui a aidé moun avec problème santé mentale, mais qui pas même connaît qui sa santé mentale, mais parce que pas formé sous ça. Et actuellement, nous enseignons un cours de psychopathologie dans le séminaire Gordon et nous avons un pile et pasteur et qui exposé à coup counseling. Nous pensons avec gens de travail ici là, tabou a un peu diminué et à recevoir formation capable d'aider. Même problème docteur Berwetsot mentionné concernant dossier, nous rencontrer ça en pile et nous fait évaluation psychologique dans l'école yo. Parents dit bon, il est pas avec les mon évaluer parce qu'il pas au collège ou bien il a servi ça contre lui, il a fait le connait que petite lit des problèmes mentaux, nous besoin prendre temps pour nous assurer yo que ça exactement ça docteur Berwet dit. Ça nous besoin ajouter particulièrement c'est 87-88 nous t'ai fait thèse doctorat nous en psychologie, nous t'ai fait un relevé de santé mentale, besoin santé mentale dans le nord d'Haïti et nous t'ai servi une approche que nous les key informants, nous pas de cas évaluer toute population, nous servi monde qui a desservi population tant qu'au médecin, tant qu'au pasteur. Ça nous joigne là quand un pile pasteur, un pile médecin, ce qui fait nous connaît que même le monde ne pas voulu admettre que y a un problème santé mentale, mais il admet symptômes. Tant que l'homme a le cas docteur, il dit que pas qu'à dormir et puis on fait tout test pour pas rien qui montrait que dans corps qu'ils ont pas qu'à dormir. Cela on vient réaliser un gros problème. Ou bien autant de monde a dit ah pas dans moi même du tout. Ou bien chaque fois moi j'ai un cœur cassé pour. Donc ces symptômes santé problème santé mentale l'a décrit. Mais sans que pas les mettre une étiquette sous lui. Donc nous penser tout genre de bagage. On est au courant, là on connaît que un bagage qui pas fonctionner la caillou. Mais on pas connaît exactement qui ça lié. Nous penser ce genre de travail ici là avec éducation et ça que me trouver Ama a fait un travail extraordinaire pour aider et avec démystifier qui sa santé mentale lié et puis porter éléments de correction qui besoin fait dans façon nous concevoir thème et puis aider pour nous capables de jouer une solution à un problème c'est là. D'accord, merci. Je me pose une question même concernant la santé mentale ça parce que docteur Berwet parlait de support psychologique. Question d'avoir me poser, est-ce que forcément identifier un support psychologique lui obligé un spécialiste ou un professionnel dans le domaine psychologique. Et puis deuxième question d'avoir me poser que on t'a intervenu là dans tout. Et surtout dans l'église yo côté que Jean docteur Alexandre dit parfois moun nan identifier symptômes yo mais li pa vle mette l'en boîte sacré son problème mental le moun a fait hallucination cauchemar etc. et puis en pile fois nous même dans domaine protestant nous accuser bagay sa yo à Satan c'est diable c'est zombie qui ça nous ka dit population de bagay sa yo pour parler de alors c'est comment nous fonctionner et c'est pour nous comprendre comment nous fonctionner. Nous t'ai parlé de équilibre. En tant qu'être humain, nous avons faculté pour nous penser, pour nous réfléchir, constater nos émotions. Oui, nous avons une relation avec mon Dieu qui est côté spirituel, nous qui affecte tout ça nous fait et nous avons un corps physique. C'est-à-dire que tout élément s'il a toute dimension s'il a besoin comme nous t'ai dit au départ, besoin en harmonie. Pour nous capables réellement fonctionner et fonctionner dans tout niveau, au niveau relationnel, au niveau professionnel et quel que soit ça va faire. Donc nous pensons que c'est parce que nous pas comprendre l'autre partie à comment fonctionner, nous pas comprendre comment faire partie émotionnelle, nous pas comprendre comment émotion agit sur corps nous pas comprendre comment corps nous même agit sur émotion nous pas réaliser que gagnons interaction et même spirituel aussi. En nous prenons un exemple commun, colère. Colère, c'est un bagage où capable dit bon, la Bible dit ou pas supposé faire colère ou se faire colère ou à pécher. Alors, ça dépend de avec qui vous nous attendez.
Mais même colère là, elle est capable de causer un pile trouble émotionnel, elle est capable résultant de un trouble émotionnel, elle est capable aussi causer dégâts sous corps là, sous pas apprendre à gérer. Nous connaissons ça très bien. L'or en colère, elle est la cause tension montée, elle est la cause sucre montée. Gon moun ki doit faire un seul coup de colère et puis il gon crise cardiaque même. Et donc ça veut dire que nous besoin connaître comment yon émotion tant que colère, comment l'agit sur ça. Spiritualité nous, comment agir sous corps physique nous. Le nous vient réaliser, ça n'a pas réalisé. Bon, pour maintenir harmonie ici là, faut qu'on apprendre à gérer colère là. Faut qu'on apprendre à connaître qui dégale fait sous corps, faut qu'on apprendre à pardonner, faut qu'on apprendre à connaître. C'est pas une question seulement relier le péché, mais seulement connaître comment l'affecter en général. Oui, je suis capable de servir dimension spirituelle là, pour aider à gérer colère là. Mais besoin connaître comment l'affecter. Toutes dimensions dans corps moi. Donc c'est éducation si là encore que nous quoi qui besoin fait pour aider créer harmonie si là nous quoi qui définit santé mentale. Et pour répondre Daniel à question de support un système de support là qui un support psychologique pour identifier lui, il pas nécessairement besoin un professionnel. Il pas besoin nécessairement besoin son psychologue ou un psychiatre. Il besoin surtout bi un bon ami, un monde qu'on sent à l'aise avec. Et bon ami ça, ou gen doit définir, li gen doit mari ou, li gen doit ménage ou, li gen doit un ami dehors, un ami fille ou. Et c'est peut-être ça que l'amitié joue un rôle très important parce que ou gen doit marié ou à l'aise mari ou mon pas ami mari ou. Et son l'autre ami fille qui au monde ou ka dit ah ma chère qu'on aime pas dormir même senti tel genre sur ces gens de support ça que n'a cherché au monde que l'ont identifié monde ça ou ka ouvri tout cœur balé ou ka metto à nu devant monde ça au niveau psychologique côté que monde n'a pas pral juger et puis monde n'a ka aider peut-être même à chercher aide côté pour aller chercher aide. Alors nous dit ça en pile dans psychologie, le support system is very important. So un support system n'a pas besoin nécessairement c'est un professionnel de la santé vous dire. OK, très bien. Merci. Je crois que spectateur jeune bénéfice dans réponse à tout parce que en pile fois yo ka gagne yo moun yo gagne tant identifié comme support psychologie yo pas même rendre compte ça. Peut-être qu'il a chercher des docteurs, des spécialistes dans le domaine santé. Oh, nous gagne tant entrer si pas gagne l'autre bail capable ajouter, n'a pas entrer dans troisième question pour moi, je vais ajouter un petit commentaire à ça, Dr. Malène, so dire, il y a un bagage qui me joint dans client yo, spécialement ça qui haïtien, gain en pile dans yo qui dit puisque nous dans mitan yon pandémie, yo pas capable joindre accès avec support social yo parce que yo pas capable à la caisse ami yo et puis yon un bagage qui nous toujours fait yo songer, n'a vive dans yon temps côté nous gain technologie. So c'est pas pour nous seulement dire oh m'pas capable la kaili, so ça veut dire m'pas capable joindre support, c'est pour nous utiliser téléphone, WhatsApp, Facebook, Zoom, n'importe ça nous joindre pour nous capable joindre support social là. Et puis tout m'konn gen client qui dit m'pas gen aucun monde, m'pas gen famille, m'pas gen ami, m'pas gen aucun monde pour aider, pour moun sa yo m'konn si gérer les online. Si gen yon bagay ke yon reme fè, soit li yon liv ou bien watch a TV show, n'importe sa liye a, nou ka jwenn yon kominote online. So se pa selman support social se yon bagay nou fè le nou chita an fas yon lot, men tout support social la se le nou jwenn avec yon lot pou nou kapab pale, konekte et supporte yon lot. Merci, ça c'est vraiment important. N'a pas entré dans troisième question si nous pas gain l'autre n'a pas ajouté nous connaît COVID 19 là li généralement li changer la vie tout le monde et m'pa kwè gen un monde qui a dit li pas affecté peut-être ou capable tester positif ou bon famille ou gen yon quelque situation qui rivé ou perdu job ou tout ça. Mais nous voyons que la situation fait un pile moun obligé chita la kayo. Un pile ti moun vin par l'école, parent ap jwe wòl parent, en même temps li vle jwe wòl professeur, enseignant, et parfois li jwe wòl IT, parce que c'est lui même qui a fait intervention pour essayer de ranger computer, si ça pas marché. Nous voyons parents yo gen un pile là-dedans yo qui
vraiment yo dépassé par la situation et gagné même qui juste jeté l'éponge et puis yo pas yo dit bon yo pas capable. Donc qui conseille ma pendant ces questions ça avec madame Marley docteur Bewet qui conseille ou ta bay parents haïtiens ça yo k'ap leve ti moun lan moment pandémique ça. Bon, et bien content qu'on pose des questions ça parce que c'est un élément de penser moins depuis que COVID-19 a commencé. Et le m'analyser communauté haïtienne, non? C'est une communauté qui souffre plus dans le changement qui a apporté à gens l'école faite. Et Jean l'école vient tourner parce que dans la culture nous même si nous fait en pile étude et même si nous très avancé mais les nouveaux timoun l'école nous connaît que éducation timoun c'est l'école là qui est responsable nous pas tellement quoi dans participation et n'a pas garder canet timoun là s'il gonti devoir n'a garder si devoir ou fait n'a signé yo n'a fait tout bagaille but participation à part entière que COVID-19 n'a vient demander pour parents prend dans vie scolaire timoun là c'est pas un bagaille que nous-mêmes en tant que haïtiens nous t'ai préparé pour nous faire et ça m'a dit là m'dil pour monde qui professionnel parce que il y a des professionnels qui pas jamais là sous prend un docteur par exemple après la cali à 9h-10h du soir ou bon même si que kounyen c'est COVID-19 la travaille dans telehealth ben li gen patient jusqu'à 9h du soir li pas toujours disponible et alors que l'école timoun yo fait entre 8h et 3h dans computer ça c'est un premier élément parce que parents yo pas préparé pour changement ça. Deuxième élément, c'est considérer timoun yo. Considérer vie psychologique timoun yo qui changer. En fait, les enfants aiment ça être avec d'autres enfants. Les enfants aiment évoluer dans un milieu où côté de teamwork, team playing. Tu vois que ce soit sport, que ce soit et travail de science que y a fait dans la classe ensemble, j'en l'école ici de fait timoun nan li toujours en contact avec d'autres enfants. Quel que soit niveau que lié dans l'école li gen contact avec l'autre timoun, gen travail de groupe, gen travail que yo fait dans la classe côté que yo pas, yo séparé timoun yo en groupe de travail, so timoun nan toujours en contact. So automatiquement que koun yon vin retirer contact ça ou déranger timoun nan au niveau psychologique ou déjà mette un problème dans balance dans équilibre timoun nan au niveau psychologique so, ça changer on baga la cali gen de timoun kounye au niveau et communauté noire qui pas d'accord avec l'école la cali du tout premièrement timoun nan du kon sa que li pas capable concentrer la cali parce que la cali gen maman k'ap vire là gen papa k'ap vire là bon télévision k'ap jouer en haut gen moun ki gon radio nan chambre même si timoun nan chambre pou kont li le fait que le konnen gen moun aux alentours le fait que le konnen ce sont des moun ki très familial li même que gen doit parler à grand-mère ou bien gen doit parler à ma tante la ki nan kalon bien ti cousin ti cousine ki vin visiter et bien à ce moment-là timoun nan senti que li pas concentré parce que c'est pas un milieu normal pour lui pour recevoir instruction. Alors moi-même ça me t'a dit famille parce que ça crée tellement changement et deux changements ça c'est pas un troisième changement tout c'est changement déséquilibre qui créé dans kay adolescent yo si mon adolescent qui connait a développé des problèmes d'angoisse qui a développé des problèmes de dépression ou même des problèmes d'anxiété à cause que yo séparé de leur groupe parce que ce qu'on appelle peer group aux États-Unis c'est un bagage qui est très important dans timoun qui est adolescent so, ça fait timoun nan développé connait un autre isolation à l'intérieur d'une isolation. So, parce que ti moun sa kounyan le lakali, li pa gen moun pou parler parce que li te plus habitué parler avec zanmil. Ou bien kounyan ti moun nan vin exagéré, li pou an téléphone, li parler toute journée avec zanmil nan téléphone, ça vin créer un problème de balance nan un jan ou capable contrôler ti moun sa à la maison. Alors moi même conseil m'ta ka fè parent yo, c'est que nous connaît que des parents haïtiens qui pa non niveau assez élevé d'éducation technologique, to pa ka aide ti moun yo. Pour computer. Yo pa ka même fait et wall IT parce que premièrement il y a de timoun haïtien pa jam rentre dans computer du tout pour y aller l'école. Parce que parents pa konn comment pour faire timoun rentre dans computer. Parce que yo tellement pa ta expect un genre de changement comme ça que timoun nan kounyan li vin en retard dans l'école li. M'ta mandé parents sa yo sou gon difficulté dans ordinateur avec timoun nan, fait l'école la connaît ça tout de suite.
pas quitter ti moun nan rete le fait 2-3 jours li pas inscrit dans classe li parce que classe dans Zoom nan faut ti moun nan présent dans Zoom nan c'est pas classe dans Zoom mais bien classe l'école dans c'est la caillie et puis ti moun nan devant computer ou pas chercher connait est-ce que le rentrer dans classe li est-ce que le signer dans classe li est-ce que la suivre classe li si ou même ou gen difficulté pour comprendre ça chercher aide le plus vite que possible ou bien dans mon voisin me connaît que gen social distancing mais sou gen ti moun nan famille qui jan bon dans computer et que ou karité dans cluster parlant mande aide pas tant que l'en retard une semaine et puis pour dire parce que même en Floride m t'ap li un bagage qui passait dans Dade County en Floride c'est que là les familles haïtienne, yo gen presque 50% ti moun yo ki en retard ane sa a, ki sot passe en 2021 à cause que parents yo pa ka rentre nan computer et de ti moun yo rentre nan computer. Et parents sa yo tout te peut mande aide. Mande aide n'importe qui côté que ce soit dans l'église ou que ce soit ta un voisin, que ce soit ta un moun ou ka accepter rentre la caillou ou mette masque ou pour faire aider ou montre comment ka aider ti moun yo. Deuxièmement, gen des conversations avec ti moun yo. Fait ti moun yo comprendre pour qui ça changement ça. Fait ti moun yo comprendre que c'est pour bagay ou même parent ou imposé pas pour punition sou yo parce que les team nous là why you punishing me I have to spend the whole day on the computer ya c'est pas moi mais situation expliquer team nous qui situation que covid natinan mettez nous les adolescents ba au plus de temps fait des activités avec yo papa qui pas de faire activité à team nous essayer garder un film de famille essayer approcher team nous puis plus pour ça diminuer anxiété team nous diminuer angoisse li diminuer tant que le passé pour compte ou bien tant que le passé dans technologie technologie pas ta enseigner ti moun yo so faut que c'est contact famille faut famille au contraire même de covid 19 joue un grand rôle connait parce que famille joue un temps ensemble pour manger ensemble yo joue un temps ensemble pour regarder un movie ensemble yo joue un temps pour mander ti moun yo comment penser qui sont penser tandis que les nous te dehors nous pas de temps pour te faire ça profiter de et côté positif ça que covid 19 offre nous côté que kounyen nous obligé de vivre youn sou lòt et nous obligé apprendre konnen ki sa ti moun nan ki sa remen ki sa pa remen pas hésiter tout fait ti moun nan konnen anxiété pa nous par rapport à covid 19 nan tout pour nous pas faire comprendre que et ah nous résoudre tout problème non parce que nous tout nan kailan nous censé gen même problème yo alors parler communication en augmenter communication qu'on gagne avec timoun yo fait timoun yo comprendre que c'est pas une punition lié c'est parce que il y a de timoun qui comprennent pourquoi qui ça bon Dieu a puni nous sous son parent chrétien et bien accepter pour bailler une explication chrétienne à ça qu'a passé pour que timoun n'a pas comprendre que c'est bon Dieu qui a puni le monde pour la guerre une pandémie pour faire le monde changer et malgré tout ça nous dit de covid 19 il y a des côtés positifs de covid 19 qui fait des monde vinn des contacts beaucoup plus et intime avec bon Dieu des mondes qui changeaient vie spirituelle yo des mondes qui viennent plus près bon Dieu à cause de covid 19 non so moi me garder genre de bail ça comme des points positifs pas la l'église non parce que l'église pas rencontrer physiquement l'église c'est pas le building c'est pas l'édifice l'église c'est dans nous même nier so si nous dit ti moun nan ça oh nous pas ta l'église nous pas ta la chorale nous pas ta faire ceci c'est pas parce que nous pas aller pour l'église pas continuer la caille non m'pas pasteur mais pour l'église là continuer la caille là et ces gens de conseil ça yo que m'ta ka bay moun ki nan communauté nou yo et moun ki pa nan communauté nou yo tout encore et encore sous senti que gon faiblesse nan une situation fait appel à de l'aide, ou bien aide de support système ou bien aide professionnelle. Merci, madame docteur Dewey. Et est-ce que vous avez un intervenant capable d'ajouter quelque chose là-dessus? Oui, je pense que docteur Malène a un pile bon conseil pour parents haïtiens. Deux bagages que j'ai ajouté, notamment de tous les parents haïtiens pour prendre patience non seulement avec timoun yo mais avec tête yo parce qu'il faut que yo songe yo dormi maman yo levé maman et professeur so gen an pile bagay ki pas facile parce que ou pa gen expérience pour faire aider timoun la apprendre pour aller dans ordinateur pour li login et tout bagay sa yo so prends patience avec timoun yo prends patience avec tête nous parce que ça c'est une situation que nous pas jamais pensé que nous t'a joindre tête nous là-dedans et puis deuxième conseil moi t'a ban nous si nous ouais que timoun nous yo changé spécialement adolescent yo c'est pour nous parler avec yo mande yo question
parce que yon bagay ke nou ka wè ke ti moun yo kon vini pi irité, yo fâché en pile ou bien yo fâché vite, yo toujou ap batay avec frè ou bien sè yo. Yon bagay ke paran kon fè, yo kon di, oh, ti moun nan li dezòd, ou bien si li gen yon atitid, nou di li, li degoutan, ou bien li mal élevé, etc. Men gen de fwa, se pandemia ki gen yon efè negatif sou santé mental ti moun nan. So nou mèm, nou just wè ke ti moun nan ap fè mal élevé, he's talking back, etc. Men nou pa realize ke ti moun nan ka vin pi irité paske kounya li pa kapab ale deyò pou jwè avèk zanmil yo, li pa kapab ale l'ekòl, you know, tout bagay sa yo ka gen yon efè negatif sou ti moun nan. So si nou wè gen yon chanjman nan atitid li, ou bien nou wè li pi irité, fè yon ti chita, fè yon ti koze avèk li pou nou wè ki sa ki ap pasel e ki sa nou kapab fè pou nou edel. Yon loti bagay mta ajoute, tankou Dr. Alexandre te di mentionné avant, gen an pil moun se kounya yo wè ki problem ti moun yo kon genyen nan l'ekol. So yo pa vle fè evaluasyon, yo pa vle dosye mete sou ti moun nan. Men kounya lese yo pou vin profese an, se lesa yo komanse wè ki jan ti moun nan batay l'ekol, paske li pa kapab. So mta sijere pou, you know, nou pa nesesèrman di, oh, mpa, you know, fè evaluasyon sou ti moun mwen, mpa pite yo fè sa, mpa pite yo met dosye, men pou nou eseye kompran kounya pou nou wè ki sa yo kapab fè pou ti moun yo paske nou wè ki problem yo genyen pa kite ti moun na batay avèk l'ekol kon sa paske sa krive ti moun na pa remen l'ekol anko. E pi sa mou wè avèk ti moun pam yo se tankou problem yo vin plis pandan yo gen pou yo ale sou ordinater kounya yo pa ka fokis mèm. Tout moun ap fè sa yo dwe fè, men yo mèm yo distrè, se paske yo pa kapab. Ou bien yo gen yon problem ke paran yo poko evalue, fè evaluasyon sou ti moun nan pou yo kapab jwen ki sa nou ka fè. Gen yon pil resous de yo a, mpa vle se ti moun ayisyen yo ki pa jwen yo, paske paran yo pe fè evaluasyon. So se sa selman mtap ajoute. Se nou kouvri tout. Et yon nan bagay mta seulement ajoute, alors, nan fè eksperyans avèk paran ayisyen, nou, an pil fwa pa realize ke nou elè le ti moun, sa di ke se t'un petit person, it's a little person, di ke li gen tout sentiment, tout émotion, tout problème yon gran moun kapab gen, yon ti moun kapab gen nan nivou pa li. Se bien malheureux ke an pil paran pa pense ke yon ti moun ka triste, yon ti moun ka fâché, yon ti moun ka stresse, yon pense que c'est bien. En pile fois, l'homme rencontre parent pour me dire petite li déprimé, li dit ki sa gen la, li gen tout sa gen, bien sa gen la kay la, ah, bien. Mwen lèm tap grandi, m pa gen bagay si la. Donc c'est comme ça yon toujours classé ti moun nan, et puis yon force ti moun a refouler sentiment si la. Ti moun nan pa ki, dwa yon ti moun dagen la di l pa content, li pa li fâché. Yon tap balon tabok, voye l chita an kote, ren ni plus fâché toujours. Nou bezo konen ke ti moun nan li gen emosyon. An plus nan devlopman, normalman, lap gen emosyon, lap gen tout kalite, li pedi yon ti zanmi sa fel mal, menm on jwet li pedi sa kapab fel mal, li gen yon ti chien li te gen l mouri sa fel mal, men tout emosyon ki nan kay la li afekte ti moun. Si nou pedi yon moun, ti moun nan gen dwa ou pa wè dlo ap sot nan jel, men sa fel mal. Will, comme Dr. Auguste Esso dit, li capable manifester sentiment, émotion sa yo de manière différente, ou capable ou essayer dans trouble de comportement, ou capable ou essayer irriter l'irrité. Mais derrière comportement, en pile fois son émotion, en pile fois c'est déprimé le déprimé, en pile fois c'est triste que le triste, en pile fois c'est yon bagay kap fait le mal, le fait que le pas ka exprimer le, li kounya c'est réagir, li réagit. Ti moun se ti moun, men son moun ke liye, li gen emosyon, men mi avèk tout moun. Tout chanjman ou e fami an fè eksperyans, ke se ou nivou de finans, ke se ou nivou d'adaptasyon, li gen impak sou ti moun nan. Li gen, si gen chanjman ke fèt, bagay nou te di nou tap menen, a kous de COVID li pa ka alan kon. Sa, fò l'adapte l'avèk sa, kom Dr. Berwete sot mansyone.
li pa wè ti zan min. Se normal ke l santi l prive de yo mèm. E nou gen mèm kat la kay la nan diferan aj. Yo di mi yo bouke avèk afè kompyuter. Yo pa kat tan pou yo ale l'ekol. Men, e surtout, mèm sa yo ki te kon regroupe nan l'egliz yo. Yo kon chante, yo kon patisipe, yo kon devlope talan yo. Men depi près de 1 an, tout bagay si la yo bloke. E tout bagay si la yo gen impact negatif sou ti moun nan. Premier bagay paran yo bezon konen, yo bezon komprann sa, yo bezon notre sensibilité. E kom Dr. Augustin so di, lò wè chanjman si la yo, pa seulement lese yo pase. Fè réunion de famille, pendant ap manje sou tabla, mande l koman l santi l, ou bien si gen yon bagay, sou ap kriye pa al kache nan kozet la pou kriye, ou met kriye devan. Fè l konen, se tris ou tris. Konsa tou ou mèm ou kapab bal permisyon. Ou pa bezon bal tout detay bagay ki depase l, e, ki kapab traumatize l. Men, yon pèrt se yon pèrt. Li fè eksperyans dèy, li fè eksperyans de mèm eksperyans ko fè yo nan nivou pali. E ou kwen nou bezon, paran yon bezon konen pou yon montre sensibilite avèk sa. E sou t'arive tou, ou wè ke sa komanse depase, ou pa kapab ede ti moun nan, li bon pou chache aide, kom Dr. Augustin so di, ou bezwen chache aide, gen resous ki disponible pou kapab ede ti moun nan. Mem pendant coronavirus la, nou gen ti moun ki ap resevo a terapi, mem par Zoom, yo chita, yo pose kesyon, yo parle ansanm avèk yo, yo eksprime, yo di sa kap fè yo mal, e konsa sa kapab ede yo. Donc, nou pense ke paran yo kapab fè anpil efò nan san sa, e pi pou ede ti moun yo. Surtout avèk opportunite ke nou genyen pou pase plus tan avèk ti moun yo e nou profite, kom Dr. Berwetson di, sa se yon aspe pozitif, pou apren a konen pitit ou mye, pou apren a gen kek abitud ko pa gen tan pou te bali avan, men se kounyan gen tan pou bali. Se aspe pozitif sa, ke nou kwen nou kapab beneficye nan COVID-19 la osi. Merci, m'te di sa ke intervenant yo trez abondan e pi le avanse rapide se nou la, kareman. Nou ap antre imediatman lan dernya kestyon pou Asroya. Kestyon sa li chanse li adrese a Dr. José Augustin, men kom nou di nou tout ka interveni la dan. Parce que moi-même, tout m'a remé qu'on est qui ça moi-même m'a doué fait pour supporter santé mentale moins pendant un moment difficile ça yo. Question c'est qui ça ou doué fait pour supporter santé mentale ou pendant un moment difficile ça yo. Est-ce que Dr. Josie ou gen des conseils ou cap ban nous concernant ça? Parce que dernièrement m'a réfléchi, moi ouais, est-ce que pas gen moun qui ça ou les self abuse, yo tellement mal mené tête yo, yo pa pran vacances, yo pa pense, pa batte yon brik. Est-ce que m'di semble faut que ta gen loi pou moun ki self abuse tête yo tout. Ki sont ta conseiller moun nan sa ça. Parce que nous gen tan bay an pi conseil déjà tan kou de ou chercher support social ou gen yon moun nou kapab konte sou li pou pale. Depi ou santi ou yon jan ou bien gen an pil bagay wap travesse yo, men sa ou di an li vwèman important pou kominote nou, paske nou gen an kil ti travay san rete. E pi le, an moun deside pon tan pou tèt pal ou bien si ou menm ou ta vle pon tan pou tèt pal, tankou, ou just vle pase yon mouvi ou bien fè an ti lekti ou bien just pase tan avèk fòmi ou wap jwè yon jwèt avèk yo, se tankou se grimas. E pi sa se yon bagay nou bezwen, you know, lese l'ale paske le ou pa pran swen tèt pal ou mete tèt ou nan yon pozisyon kote ou kapab genye nèpòt lòt kondisyon. So, se pa selman sante mental ou ki afekte, men sante fizik ou ki kapab afekte tou. E pi sa answit kapab afekte sante mental ou anko. So, kounya ou mete tèt ou nan pozisyon kote ou pa gen sante fizik ou pa gen sante mental. E pi tout bagay wap travesse ou kapab jwen tankou ou irite fasil. Paske ou pa pose, ou pa pran tan pou dormi, ou pa pran tan pou tèt pa ou. Gen de fwa wap bezwen ede ti moun ou yo ou bien fami, men ou pa genyen anpil pasyans avèk yo, paske ou pa pran swen tèt ou. So, m toujou ankouraje moun
pas seulement senti que ou besoin toujours travail, mais prendre un petit temps reposer parce que c'est ça qui a ba force pour faire tout ça au besoin fait, c'est ça qui a aider santé physique ou et puis nous capable toujours mettre exercice là-dedans parce que nous pas veut juste rester nous chita devant un computer ou bien nous chita c'est seulement you know nous pas faire mouvement, nous juste rester comme ça. Ça c'est baga qui capable agir sous tension nous, sous cycle nous parce que nous pas gagner activité qu'on a fait. So prends temps peut-être pas senti ou guilty pour ça ou bien ou a fait grimace ou bien ou gain l'autre bagage ou capable faire. Reposer c'est un bagage ou ka fait tout. Et puis passer temps avec famille nous, tant que docteur Beret te dit ça bon nous en pile avantage tout. Gain des bagages nous pas capable faire avant mais nous capable faire au kounya. Passer temps avec famille nous, parler avec zami nous, parler avec ti moun nou yo. Ouais qui ça y a traversé pendant peut-être pas nous reposer et puis joindre un petit temps tout pour nous capable faire bagay que nous remet. Sautant coup, si vous remet temps de musique ou bien chanter, prend temps pour faire ça si c'est un bagay que vous senti ou enjoy tête ou là-dedans. Si c'est un livre ou tu besoin lire, kounya ou capable gagner temps pour faire ça. Prends livre là, fais un petit lectif, fais un bagage pour capable faire reposer. Et puis tout pas oublier you know mécanisme nous t'a parlé avant quand tant coup gien des monde les yo senti yo stressé yo capable sortir dehors yo capable faire un petit marché dehors et puis ça aider yo pour yo capable stabiliser tête yo. So pas nécessairement senti nous pas qu'à jamais prendre temps pour tête pas nous pas senti nous pas qu'à parler avec un monde si nous pas qu'à parler avec un famille un ami pas peur pour nous à chercher un professionnel pour nous capable parler avec lui. Tant que nous te dit avant docteur Beret te dit gen pile monde qui peur parce que yo pas veulent causer au sorti mais gen pile loi pour protéger contre ça pour nous capable senti nous à l'aise pour nous parler. Nous pas besoin senti oh n'a gagné you know dossier puis ça fait nous pas capable faire rien gain des lois qui protège dossier nous si nous gagné aucun dossier si c'est médical c'est même bagaille là pour nous capable senti nous libre pour nous parler sur ça qui a agi sur nous. Merci. Par contre si gagné l'autre bagaille que l'autre intervenant a pas ajouté non question ça. Il y a un bagage qui est très important que m'ta vle di communauté ensemble pas prendre sou et docteur Alexandre qui est un pasteur et c'est santé spirituelle là. Santé spirituelle là c'est li balancer tout ça nous dit asoya. C'est une nan bagage qui pi important c'est santé spirituelle. Si spirituellement ou bien et bien le corps, l'environnement et tout l'autre bagage yo y a prend place yo et ça dépend de relation nous avec bon Dieu, relation nous à bon Dieu très important. Alors plus ou serrer relation avec bon Dieu, plus ou rentrer dans la prière, plus ou comprendre la connaissance et la vérité de Dieu et puis ou alimenter santé spirituelle ou et bien ou passer à travers les événements de COVID-19 sont pas même ouais COVID-19 même. Éviter paquet de nouvelles dans la télévision, éviter paquet de mauvaises nouvelles que y aurait les et nouvelles conflictuelles ou bien fake news dans WhatsApp, passer temps nous à de bonnes lectures bibliques parce que même dans la Bible, il y a de bonnes références bibliques qui peuvent aider nous passer à travers un moment difficile. Ça c'est vraiment une bonne intervention. Docteur Berwet dit lui pas pasteur mais ça c'est un prêche que le banon là qui est très très important. Et m'a profité pour me capable seulement ajouter sous lit parce que nous quoi très très important pour nous gérer santé spirituelle nous. Et il y a plusieurs façons capable faire ça comme docteur Beret mentionné la prière lecture biblique rester en communion avec bon Dieu mais aussi une série de sentiments la caille nous parfois qui est capable affecter santé spirituelle nous même bien affecter santé émotionnelle nous par exemple tant qu'ou amertume tant qu'ou monan une série de bagailles la quitter minen en dedans manque de pardon. Mon nan c'est nan moment ça la nourri une série de bagages négatifs, bagages que l'té vive. C'est ça qui fait parfois pas même en harmonie avec même moun ki en dans kayli. Même moun ki té capable yon support pou li, mais à cause de manque de pardon, à cause de yingrang, sou une série de niaiseries parfois parce que les nou gars des gens la vie important. C'est une nan bagage COVID-19 enseigne nous.
Yo mette nou nan konfinman, koun yon pa ka sove ki te kay la, ou pa ka la travay, ou oblije fè fasa k moun ki nan kay la. Donc sa montre ke se nou nou genyen. En fin de compte, se moun sa yo kou bezwen ka depande de yo. E se nan mouman sa tou, pou kapab ese rezoud yon seri de konflik, evite yon seri de konflik. Paske koun yon la, le fèt ke nan viv ansanm, fò nou apren a pardonne, fò nou apren ese rezoud problem yo. Pour nous pas quitter bagay sa ap nui nou et kounya nou vinn wè que non seulement covid force nous pour nous isoler tête nous kounya pendant nous nan kay la nous vinn isoler tête nous n'a viv nan kay la pa gen harmonie entre mari avec madame pa gen harmonie entre madame avec mari et avec timoun yo et a viv tout jan de sen si la donc ou créer yon lot crise en dan kay yo et c'est ça que fait pendant covid la nous même tande parler de violence domestique qui a resurgir. Nous t'avons parlé de l'autre abus qu'a fait et que longtemps mon n'était seulement sous pas l'empile dans tête il prend machine il a le travail ou bien là son côté là l'amol mais qu'on y a il pas gain aisance là l'obligé rester dans cas là pour faire face avec situation cela donc nous croyons que pour gérer santé mentale ou une bagaille qui capable aider c'est comment gérer émotion négative colère particulièrement rancune amertume manque de pardon. Jean de bagay si la yo en soi, yo ka suffi pou ran nou déprimer sans qu'on pat même gen l'autre problème même. Ba besoin tout pour problème qu'on déjà viv yo et puis pouvoir continuer nourrir Jean de bagay si la yo. Même j'en besoin pardon bon Dieu, apprendre à pardonner l'autre monde et ou parce que vraiment ou pas ka gen intimité avec bon Dieu, sou pas en harmonie avec l'autre monde. Et c'est ça qui fait li très très important pour santé spirituelle nous aussi bien que pour santé mentale nous, pour nous apprendre à gérer émotion et surtout ça négatif yo. Merci, Dr. Abel. Nous avons vu le YAV avancer en pile et nous avons vu que l'intervenant a exploité toutes quatre questions yo, pleinement. Et nous croyons que l'internaute, l'auditeur, le téléspectateur, dans le monde entier, yo satisfait de manière nous répondre aux questions avec perspicacité et puis détail et puis précision. Nous avant nous by chaque intervenant yo place pour yo placer dernier mot nous voulons faire un petit résumé de tout ça que sont dit là yo pour auditeur yo capable qu'embé un élément global nous t'ai parlé premièrement de COVID-19 et santé mentale et intervenant t'ai fait comprendre COVID-19 n'est pas seulement un problème physique qui affecte corps mais il affecte mentalement, liberté, tristesse, deuil, désolation, dépression. Et ça, yon mot yote utilisé en pile, le dit, c'était garder l'équilibre. Donc, si vous pas garder l'équilibre, eh bien, wap, ça viré. Deuxième question qui t'est posée, c'est qui conseille nous capables haïtiens, yo, pour qu'ils soient capables de parler de problèmes mentaux, parce que nous connaissons le domaine haïtien, nous-mêmes, nous peut parler de santé mentale. Et que nous peut parler de problèmes mentaux parce que yo pas vle prendre nous comme moun fou et intervenant te dit que nous devons chercher moun pour nous communiquer, nous devons exprimer ça nous senti et nous devons chercher aide avec support et yon bagay qui est important te dit nous devons tolérer l'autre moun, pas courir ri l'autre moun, juger parce que il y a des problèmes mentaux que li ressenti et que li vle exprimer yo. Toujours mettez bras ouvri pour accueillir moun sa yo. Et puis c'est nous qui orienter yo. Il y a monde qui peut exprimer problème yo, c'est parce que yo peur représailles de immigration. Intervenir dit nous pas inquiéter nous de bagaille ça yo, il y a une organisation qui forme tête dans pays ça pour protéger toute information nous de manière confidentielle. Question troisième question qui t'est posée c'est concernant comment parents yo qui concerne nous travail parents yo. Yon intervenant yo te mande parents yo pou gen patience parce que intervenant yo te montre que frustration pas seulement la ka élève la ka pa prendre non circonstance qui très nouveau et li pou parents qui doit apprendre pour l'apprendre élève la li pou parents qui en même temps parents en même temps qui professeur en même temps Haïti et que yon bagay li pa même konnen bien là-dedans donc patience te mande et puis il dit pas quitter ou rempli avec complexité chercher aide. L'école la gen aide, voisin gen aide, ti fami ki fò nan computer gen aide, chèche aide pa rete nan frustration.
Et puis, dernière question qui t'est concernée, qui t'est parlé, c'est qui genre de, qui ça nous fait pour nous supporter nous mentalement dans le domaine pandémique. Ça, c'est une question qui semble être résumée toute l'autre question. Yo. C'était premièrement faire son remède, faire son apprécier. Et puis, tout chercher aide, d'identifier les gens qui peuvent supporter ou. Mais yon bagay qui te, yo te mette plus précision, c'est en dan ka la, essayer vivre avec mutualité, dans support mutuel, dans pardon mutuel, pour ne pas créer yon conflit en dan tout conflit ça qui déjà existait, côté que ka la, c'est seul refuge que nous gagnons comme ya. Et c'est comme ça, m'kwe intervenu te, de manière très méthodique, de manière très intelligente, yo te répondre question ça yo pour nos chers téléspectateurs. Kounya n'a pas eu place pour mettre dernier mot avant show a fini. Et on a commencé peut-être, on a commencé avec Dr. Dayona Augustin, suivi par Josie Augustin, qui a mis dernier mot. Et après, nous allons joindre Dr. Marlène, suivi de Dr. Alexandre. All right. Merci, Frère Pierre. Nous voulons dire merci avec tout le monde qui t'a regardé nous à soir. Nous voulons faire songer que la santé mentale, c'est un bagage qui est vraiment important. Ne pas négliger ça. N'importe ce qu'on est capable de faire pour supporter la santé mentale, il faut qu'on fasse. Support social, c'est un bagage qui nous capable de faire. Et tout, pas laguer l'église. Nous. Même là, nous pas capable d'aller dans le building, là, nous capable toujours garder online. Et puis, tant que Dr. Josie te dit tout, prends temps pour nous faire tête nous plaisir. Ça, c'est une remarque finale que moi-même t'a ajouté. Merci, Dr. Dayona. Dr. Josie. Yes. Mm-hmm. Yes, nous voulons dire merci à tout le monde qui t'a suivi nous à soir avec tout le monde qui t'a pendé nous. Et puis, nous a demandé que nous pas seulement tendre tout ça nous dit à soir, mais pour nous mettre en pratique. Pour nous pas seulement quitter à soi et puis nous oublier tout ça, nous te joindre, ça nous te discuter. Parce que santé mentale, c'est pour tout le monde. C'est pas pour un seul groupe, c'est pas pour une seule nation, c'est pour tout le monde. Et puis, gen des fois, nous comptons bien en bagaille parce que nous sentons dans qui nous, you know, faut que nous fassions bagay peut-être pas nous, faut que nous réussissions peut-être pas nous, faut que nous pas gagner aide l'autre monde, faut que nous pas mettre cause nous dehors, etc. Mais nous gagnons même dans pays nous, l'union fait la force. C'est pas seulement les n'a bataille pour nous voir ça, mais c'est les n'a fait bataille santé mentale tout. Pas seulement les nous aller dans combat avec un autre monde, mais faut que nous comprendre que les nous tout essayer pour nous fait combat avec un problème. Ensemble, nous gagnons plus force ensemble que nous gagnons si nous désignons. So, on nous tout met ensemble pour nous capables d'aider santé mentale communauté haïtienne hein, et pour nous capables combattre tout problème, nous capables joindre dans le moment ça, pour nous capables sortir sous l'autre bord COVID-19, pour nous capables voir que nous gagnons plus force que nous gagnions avant. D'accord, merci Dr. Augustin. Docteur Marlène? C'était avec un plaisir que nous étions capables de participer dans le panel à soir pour nous communiquer un petit peu de connaissances dans le domaine de la santé mentale à la communauté noire. Et c'est toujours avec plaisir que nous retrouvons Ama pour nous faire genre d'entretien. Ça et ça m'a quitté en dernier pour nous, c'est que tant que je dit avant, moi-même, il y a une bagaille personnelle que je pensais qui aidait en pile et je pas manqué de et même si ou gen des problèmes mentaux qui étaient déjà définis avant COVID-19 et qui capable empirer avec COVID-19 et m'a dit que la santé spirituelle joue un grand rôle pour balancer au pendant moment ça yo. Plus ou gen on foi qui enraciné, plus ou gen on foi qui inébranlable, eh bien à ce moment-là COVID-19 pas ka bon problème. Et deuxième bagaille qui a balancé santé mentale, c'est care personnel. Et care personnel, là encore, il résumé à faire exercice, bonne lecture
et surtout la lecture biblique, et surtout rester dans l'amour infini de Dieu. Parce que dans cet amour infini, c'est là que tu retrouves ton refuge spirituel, ton refuge émotionnel et ton refuge psychologique et finalement la liberté. On n'est pas franchi de toutes sortes de problèmes, de toutes sortes de colères, de toutes sortes d'amertume, de toutes sortes d'orgueil. Et c'est là que dans l'humilité, on va l'apprendre remen prochain encore, on va pas prendre remen viva Mario en dans Kailan pendant COVID-19, viva Timounio pendant COVID-19 et rester au monde à part entière en équilibre pendant tout le temps COVID là parce qu'il a continué. Merci. Merci, Dr. Berouet, et finalement, Dr. Alexandre. Bon, encore, c'est un honneur, c'est une joie pour être capable de participer avec les collègues Moyo dans le forum, c'est là, et pour nous joindre avec les amis téléspectateurs pour partager ces éléments de conseil avec eux. Et nous sommes partis du pied pour dire que santé mentale, besoin yon harmonie, besoin yon équilibre. Et ou besoin porter attention à tête ou. Apprendre à connaître tête ou. De pour ta wè yon déséquilibre, mande tête ou sa kap passe ou. Sou ta wè que ou commence pas ka réfléchir bien, ou pas capable de penser bien, et puis ou commence pas ka tolérer moun, ou wè que même prier ou pas même capable de prier, gon déséquilibre. Ou commence senti ou tellement triste, ou vin pas ka dormi, ou vin commence à perdre appétit, ou vin commence à prendre poids, et puis ou commence à gon l'autre trouble. Donc c'est pour faut connait que gagnon déséquilibre qu'on besoin porter attention à lui-même et sou pas ka joindre mon autour de ou pour aider ou yon ami yon frère yon madame yon mari rejoindre avec yon professionnel qui capable aider ou yon pasteur et nous besoin m'a kon ou libre sous do docteur et Berouet pour yon bagay que te dit au début li dit que gagne deux bagay que ou capable faire pour gérer problème. C'est Lazarus qui parlait de lui, qui dit que ou besoin ou capable concentrer sur problème non, qu'on soit capable concentrer sur émotion. Concentrer sur problème non, premier bagage à prendre, faire ou poser tête aux questions si là. Qui ça me fait par rapport à problème si là? Qui contrôle que me gagne? Et bien contrôle qu'on gagne, yo dou mettez masque. Yo dou que laver main, yo dou que tout ça ou gagne contrôle sous lui, contrôler, éviter foule, éviter foule. Suivre toute instruction yo. Ou gen contrôle sur ça ou ka contrôler exercice ou ka contrôler diète ou ka contrôler façon ou gérer problème COVID la même. L'autre salte mentionné c'est qui sont capables faire sur émotion. Pas nourrir une série de pensées négatives. Apprendre à développer capacité pour dire que m'a fait tout ça dépend de moi et me connaît demain capable meilleur. Donc, ou pas de contrôle sous lui, mais sous contrôle, sans qu'à contrôler. Et comme Dr. Berouet, ma consigne doit consacrer le pasteur à soi, mais il met un petit accent sur spiritualité, sur la foi, et réellement, élément ça yon yon clé. Parce que santé spirituelle ou a aidé ou balancer l'autre dimension yon dans santé ou en général. Merci beaucoup, chers invités. Merci beaucoup, auditeurs, internautes. Nous voulons dire qu'on y est là, première séance, chose a fini, mais séance de formation, elle est beaucoup finie, parce que nous attendons nous jeudi prochain. Nous avons traité toute terminologie dans le système santé américain, dans terminologie et fonction. Nous avons dit pour pas rater rendez-vous. Et si vous avez une question, vous êtes capable de toujours écrire. Écrit question yo, nous promettons une bonne réponse quand même. Comme nous toujours dit, c'est alternative nous que le peuple ne doit pas mourir par faute de connaissance. Merci à tous et passez une bonne nuit. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Thank you, merci. C'était un plaisir. C'est plaisir.